Mesdames et messieurs, gros bonjour et bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur TV Lakay. Et jeudi, c'est mardi. Et jeudi, c'est mardi 25 mai 2021. Nous comptons avec vous matin là pour nous porter toute première information pour toutes fanatiques, amis, abonnés, compatriotes, quel que soit à côté de dans le monde. Et c'est toujours avec même plaisir, même détermination, même honneur et respect. Nous entrons la caillou chaque jour, bon Dieu, mettez pour nous venir informer. Jean commissaire gouvernement ville Okaila t'es cementé et eh bien monsieur dans question insécurité dans question bandi k'ap bay problème dans département et eh bien monsieur décidé là pour question et eh, donc insécurité à lui-même prend fin et eh bien la police dans tête collée donc avec haut gradé dans et eh, donc institution mettez en bacode divers malfaiteurs, divers voleurs criminels assassins qui ont même tap théorisé ville Okaila qui ont même tap bay problème. Donc, dans le département, eh bien, citoyen, ça a tombé en bas sanction la loi. Et nous allons inviter plus de détails avec un correspondant, donc, Radio Télévision Caraïbe, dans le département, dans la ville Okaï, qui pral dit nous, mais comment la police est arrivée, rendre possible opération, eh bien, fouquer criminel ça. Tout détail, était connecté sur vidéo jusqu'à la fin. Pas oublier ou sous TV Lakay. Pour si là qui peut vous abonner avec nous, pas hésiter à faire ça. Pendant même, vous regardez la vidéo, une façon pour aider nous. Élargi communauté TV Lakay et comme ça ou même tout ou a toujours été informé. Et puis dans l'autre nouvelle guerrier, faut que l'on dit la justice dans ville Okaï, il en tête collé qui donc avec un commissaire gouvernement et qui en tête lui et puis avec divers avec la police bien entendu, au métier en bas code plus d'individus au même qui étaient habitués à opérer dans le département et qui étaient très recherchés par la police avec la justice pour mauvais actes. Yo qui qu'on commettre c'est le chef paquet au cal. En parmi yo, il y a un chipetin ainsi connu qui est commissaire ensemble avec la police mais qui sous lui dans mais soumis dans la zone Croix des Martyrs pour trafic illicite d'armes à feu et association malfaites avec Dumont Jean Genel lui-même qui a arrêté bloc matin jeudi c'est pour vol avec falsification papier moto qui volait yo avec association malfaites tout juste le chef paquet au cas là maître Ronald Richemont qui lui-même lancé un appel un nouvel appel par les bandits pour dire yo gain département sud là comme défi pour venir cacher pour lui placer tout bandit tout à tout fait et dans prison ou bien dans le cimetière que la CIO même y a réservé selon le commissaire Ronald Richemont. Et puis, il y a plus de centaines de familles qui trouvaient dans diverses localités communes Cavaillon, dont la Vingue, peut-être avec la biche, qui commençaient à joindre l'eau officiellement pour première fois de l'eau propre pour le bois depuis hier lundi. C'est grâce avec un projet pilote que Rotary Club International a financé dans 4 communes différentes dans le pays. Et t'as pas gain pour éparpiller tout partout, côté qui pague de l'eau pour mon bois selon le président Rotary Club Blanc de Terre. Robert Léger. Les précisés, projet ça a visé responsabiliser bénéficiaires qui ont même formé, ça y aurait les comités de gestion pour entretien fontaine ou bien ça y a. Chaque mois, moun kap bénéficié de loi a payé pour bailler une cotisation pour finir avec les affaires de l'eau gratuite sur leur responsable. Diverses organisations associées dans le projet ça, que Rotary prévoit financer, gagnent Dinepa, Water for Life, Hope Haïti, avec Haïti, Autriche, Guerrier. Alors, Guerrier, Jean, que vous avez déjà mentionné, c'est que pour ça qui vient avec COVID-19 blanc, avec un dernier rebondissement, eh bien, jusqu'à présent, pas trop gagné action qui commençait dans le département, puisque nous sommes capables de dire une instance qui est activée pour question COVID-19 blanc. L'été censé déserte, déserté depuis deux mois comme ça après, et il a commencé par le fait que Gagné Mounio, qui était toujours qu'on a réclamé l'argent que l'État a dû, et bien c'était seulement gardien dans la zone ça, qui donc en haut, côté sanatorium, que tu qu'on a déféré, et bien c'est lui-même qui était sans tampon COVID-19 là, et bien qui était seulement encore Gagné gardien là-dedans, puisque tout le monde avant donné, puisque un contrat a été fini. Donc, dans l'ensemble, là, dans ça qui vient avec action pour capable mobilisation contre la COVID-19, là, par combien de temps dans le département, c'est vrai, autorité eux-mêmes, ils ont demandé une précaution, mais les gens fonctionnent déjà hier, il y a toujours été les mêmes gens, que ce soit dans le niveau marché, machine publique, dans la rue, quel que soit l'endroit vraiment, mis à part de
cette institution qui a même toujours exigé avant d'entrer la dernière, il faut qu'on bien cache, mais là où il y a dans tout le milieu public, vraiment, c'est la même situation. Hein. Et bien, mon yot qui toujours tout je dis pas quoi, la question qu'on vit sur le plat, quoique, rebondissement, il y a même commencé dans le pays d'Haïti, j'ai autorisé le ministère de la Santé publique, il y a même fait comme ça. Et puis, le Valence, nous souhaitons pour tout le monde au CAI, Fermont, mon Chantal, mon Campirin Maniche, passer un bon mardi à Caraïbe FM, sorti dans le département sud des pays d'Haïti, dans privé, dans Balatibonite. Et là, nous saluons tout Silao, dans Fresino, Montrouy, Dat, Guavier, Beaucouzel. Paysan dans Camari, dans Boisneuf, dans Gervais, dans Libé, dans Bois Castra, dans Liancourt. Quoi là, nous allons recevoir correspondant nous, Luxon Deneus, depuis dans Balatibonite. Bonjour Luxon. Bonjour Bobsé et bonjour tous les amis Radio Caraïbes FM. Bonjour Pierre-Unel. En fait, j'en dis là, vous êtes déjà présenté dans la Balatibonite. Donc, il faut dire que nous connaissons que le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire dans tout le pays. Et au niveau Balatibonite, particulièrement la commune de Saint-Marc, donc pas vraiment gagné ça, il est en état d'urgence puisque la population continue à vaquer à occupation, l'école fonctionne comme à l'ordinaire. Et si nous prenons marché autour, donc toute activité pratiquement y a fonctionné pour mardi 25 mai 2021 comme à l'ordinaire, dans cité Nissage et Sagéa. Et moun qui a voyagé soit pour aller dans Port-au-Prince ou bien pour aller dans Balatibonite, transport en commun, donc tout pour nous, ils continuent à vaquer à occupation sans aucune difficulté. Donc, question mesure ou bien barrière sanitaire, donc pas du tout gagné, sauf qu'on est capable de constater que il y a des gens qui ont masque dans le visage, il y a des gens qui ont masque et qui portent masque. Non, mais c'est pas la grande population. Au niveau de l'école, il faut dire que il y a des dispositifs qui commencent à prendre au niveau de l'école privée, donc ils sont capables de permettre à ce que Timonio n'a pas perdu l'année scolaire. Il y a bien pu composer très prochainement, donc pas pour une date, mais il y a de l'école qui commence à prendre disposition dans ce sens-là. Et puis l'autre point, nous sommes capables de signaler pour Zamio Matéan, c'est manifestation ou bien blocage paysan Valais la Tibonite, puisque nous connaissons. Ça a gagné quelques mois de cela et que barrage bidon, ça a été maître de droite, donc il est même endommagé, puisque nous connaissons, eh bien, ODVA qui lui-même vient comme mission pour curer ou bien nettoyer le canal dans Valais la Tibonite, travail ça n'a pas de arriver faire depuis un bon bout de temps à cause eh bien, situation insécurité qui vient dans Valais la Tibonite, particulièrement au niveau de sa vie, première section communale, qui vient la Tibonite, puisque nous connaissons là, eh bien, monsieur Baz Grand Griffio, Logicoyo. Eh bien, ODVA qui n'est pas capable d'arriver, et le canal bidonnant, lui endommagé. Donc, actuellement, qu'il y ait des réparations qu'a fait dans le canal-là, mais qui allait timidement, puisque le responsable ODVA, il fait connaître qu'il n'y a pas gagné vraiment de moyens. Eh bien, ça mettait paysan, eh bien, dans une situation extrêmement difficile. Il n'y a pas capable de venir l'eau dans le canal d'irrigation, pour le travail, pour bête, eh bien, il même capable de boire, et en même temps, tout, pour être capable d'utiliser, puisque il y a des gens qui utilisent l'eau qui sortit dans le canal. Donc, hier, il était obligé à bloquer route nationale, numéro 1, particulièrement au niveau de Maupay, zone consondée. Donc, côté, on m'a dit responsable ODVAO, puis on prend responsabilité, puisque avant ça, donc, il était déjà fait manifestation, il était allé au niveau ODVA, et responsable, yo, pas de bail, aucune assurance, yo, pas de dire rien. Et hier, il a pris la RIA et il a annoncé qu'il a continué à occuper le béton jusqu'à ce que les responsables au niveau ODVA aient assumé responsabilité. Il faut dire que guerrier, en ce qui a pris le canal bidon, ça a maître de là, donc qui sorti dans le canot commune Verrette, et le canal ça a bail environ 10 mètres cubes d'eau par seconde, donc qui alimentait 5 autres canaux d'irrigation, donc qui sorti dans la première section qui vient à Tibonite, qui allait jusqu'à dans la cinquième section, particulièrement zone Beaucouzel, donc en pile monde qui dépend du canal ça. Donc voilà quoi, dans cette situation, eh bien, paysan Valais la Tibonite, nous trouvons journée aujourd'hui. Et puis l'autre information nous a été partagée avec vous, pour dire que l'individu n'est pas arrivé identifié. Eh bien, dans la nuit dimanche pour arriver lundi 24 mai 2021, donc individu n'est pas arrivé identifié, mais arrivé cambriolé tribunal de Père Saint-Maclain. Donc malheureusement et heureusement, puisque selon le juge de paix titulaire, qui c'est Jacques Edouard, donc il fait connaître que Bandio n'est pas arrivé pour te aller en rien, mais il y a des dispositions qu'il prend pour empêcher une situation ça, arriver reproduit encore
dans cité message passager pour empêcher monde pas venir faire continuer faire des autres au niveau tribunal de paix Saint-Macla. Et puis pour finir question référendum là, eh bien faut dire que jusqu'à présent et acteurs politiques ou bien de monde qui en dans société civile là ou bien des organisations paysans ils continuent à exprimer position puis on dit pas d'accord avec projet référendum inconstitutionnel Jovenel Moïse voulait doter pays en l'autre constitution. Mais Fondou, au niveau de Bec là, jusqu'à présent, nous-mêmes comme journalistes, nous pas remarqué présence, puisque eh bien, yo logé dans bureau Luna et bureau de préférence mairie Saint-Marc. Donc moun sa yo pas vraiment et bien au capable de joindre pour ta fonti parler avec eux. Et donc c'est des rencontres qu'a fait en catimini. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas parlé au niveau de la presse. Voilà en gros qu'on est capable de présenter une situation qui gagnait dans Balatibonite, de côté que militants qui comptent pratiquement projet référendum, ils ont toujours campé en quoi et ils ont pris des dispositions pour empêcher le référendum ça réaliser 27 juin Capini là. Merci en pile avec correspondant nous depuis dans Balatibonite, Nixon Deneus. On petit coup de pied toujours dans ville provinciale qu'elle est là mené dans département nord-est pays d'Haïti. Bonjour Fort Liberté, Terrier Rouge, Trou du Nord, Grand Bassin, Sainte-Suzanne, Garat, Gad Saline, Birel. Bonjour habitation Pilette, Gousse Roche, Calbasvette. C'est dans Nap Camp matin pour les richesses Modelin. On y attendait nous sur Radio Royal FM 105.3 Richesse. Bonjour. Bonjour Guerinel, bonjour Bobsi, bonjour Guerrier, bonjour tout le monde. Eh bien, t'as coujan ôté, Guerrier t'a déjà posé question sur question remontée qu'on avait dans le pays. Eh bien, et jusqu'à présent, et nous pouvons.